Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo tant attendue est une fois de plus la vidéo Gmod. J'ai fait un petit live tout à l'heure où vous avez été beaucoup à me demander ce que j'allais faire. Et donc, j'ai eu deux options. Et là, je pense que je vais partir sur la première. Je vais aller tout simplement tenir un restaurant avec un collègue à moi. Nous allons partir à deux et nous allons accueillir. Donc, dans ce restaurant, il y aura donc un cuisinier et une serveuse. Je vais faire le rôle de la serveuse et mon ami du cuisinier où moi je vais pouvoir proposer des boissons, etc. Et puis on va voir sur quel type de gens on tombe. Voilà! Alors voilà, je suis une petite barman et je vais tout simplement aller me rendre à mon restaurant le plus proche. Oula, il y a du monde ici, hein! Bonjour. Et alors là. Une petite soif, monsieur? Ça, comment ça? Comment ça? Bon, je vais les laisser gérer ça, hein. Excusez-moi. Association pour tuer les bébés chatons. C'est horrible! Pour faire un don, merci de faire chèque bricoleur. Quelle horreur. Les gens s'en foutent. Bah nous on veut pas tuer les bébés chatons, donc on va pas leur donner de l'argent. On va juste aller au resto. Je vais regarder un petit peu dans mon inventaire après pour voir les boissons que je peux proposer. Il y a l'air d'avoir un petit peu de monde. Oh. Il y a du monde à la cuisine. Je vais aller proposer mes services de serveuse. Bonjour monsieur, je me présente. Qui a-t-il? Je suis madame Cookie, je suis barman. Est-ce qu'il serait possible de faire affaire ensemble ou de travailler ensemble? Oui, il n'y a aucun souci. D'accord. Bah enchanté, enchanté. Bah, je vous laisse. Enchanté, je vous laisse mettre derrière le comptoir et servir tout ce qui est milkshake, boisson. Merci et tout. Beaucoup, je vais aller visiter la cuisine. Aucun souci. Attendez, je vous ouvre. Merci beaucoup. Voilà. C'est parfait. Bonjour monsieur. Une petite boisson, un petit milkshake, une glace. Exactement, j'aimerais bien avoir une boisson. Une petite boisson. Qui est libre et complet. D'accord, d'accord. Alors, si vous avez un hamburger avec des frites. Alors pour ça, il faudra voir avec mon collègue qui est juste ici. Avec, comme entrée. Moi je m'occupe vraiment des milkshakes et des boissons. Hein. Alors je regarde ce que j'ai. Hein. D'accord, d'accord. Bah, dans ce cas-là, si vous pouvez me faire un petit milkshake, s'il vous plaît. Tenez. Je mets à table. Alors j'ai un petit souci. C'est que regardez-moi. Je débute dans le métier, je n'arrive plus à trouver mes boissons. Faut faire F4, puis nourriture. Bah c'est ce que j'ai fait pourtant, mais je n'ai rien qui s'affiche alors que c'est bien écrit barman. Je comprends pas trop. Tenez, regardez à vos pieds. Oui, c'est vous? Oui, prenez, tenez. Merci beaucoup. Voilà. Votre première paye. Merci, c'est très très gentil, mais je ne comprends pas pourquoi je m'en sors pas, là. Normalement, je devrais avoir des boissons bon, qui s'affichent et je n'en vois aucune. Excusez-moi, monsieur le cuisinier, mais ce restaurant est réservé. Nous l'avons acheté et tout, donc nous avons embauché personne, malheureusement. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens ici car j'ai très très faim et à vrai dire, je vois que vos pizzas ont l'air plutôt bonnes. Cependant, quel est le prix, s'il vous plaît? Je vois mal. 50 € la pizza. Alors, si je peux me permettre, nous avons énormément de choses à côté des pizzas. Et vraiment, notre cuisinier est ouais, très très bon. Nous avons des boissons, des glaces et autres. Si vous voulez un petit hamburger, le plus, une soupe... Me caler le plus pour le moins d'argent, s'il vous plaît. Ah oui, forcément, si vous avez un budget serré. Bah c'est la pizza, hein. C'est la pizza, oui, bah là, oui, oui. La pizza, d'accord, très bien. Donc, je vais vous donner 50 $. Je vais voir si notre client a des réclamations, si tout se passe bien pour lui. D'accord. Tout
se passe bien, monsieur ? S'il vous plaît. Bon, bonjour madame, oui bah j'attends mon e-check et mon entrée madame. Ah, votre entrée n'est pas encore arrivée. D'accord, j'ai un petit problème avec le e-check, la machine est en panne. Ah d'accord, et voici pour boire madame. Oh merci, c'est vraiment très gentil, merci beaucoup. On fait de notre mieux hein, pour bien vous accueillir. Je vais aller voir si on a... Attendez, aucun pour boire alors. c'est vraiment très très gentil monsieur, je... C'est tombé au sol, excusez-moi, je me penche. Allez. C'est un petit peu compliqué là, c'est légèrement sous la table, c'est... Excusez-moi. Je vous excuse. Tout cet argent qui tombe... Ah bah madame... Tout cet argent qui tombe, je ne comprends plus, je... Excusez-moi, vous ne me feriez pas des avances tout de même. C'est un petit peu gênant là, comme... Ça m'embête, non. Monsieur. Ce n'est pas grave, madame. C'est un petit pourboire. Oups, désolé. Ah un petit pourboire pour vous, madame. Okay. C'est un petit pourboire. Voilà. D'accord, je comprends mieux, là, parce que j'ai eu un petit moment de doute. Un petit moment d'hésitation. Excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Un petit pourboire. Voilà, tout cet argent... Tout cet argent... Ah bah voilà. Un mafieux... Une racaille est passée par ici et elle était en manque d'argent de poche. Bon, en tout cas, notre client est content. Hein. Venez, j'ai votre part. Tenez votre part de... Nous avons un client heureux. Hein. Oh, ce petit œuf sur le plat. Oh, le milkshake. Alors, je vais pouvoir l'amener du coup à notre client, à moins qu'il soit parti. Ah, je crois que notre client nous a quitté, on a mis trop de temps à... Tenez, à votre pied, à vos pieds. Ah, merci beaucoup. Bonjour madame. Je voudrais un menu milkshake, s'il vous plaît. Ah bah ça y est, hein, ça fait le tour de la ville, hein, nos milkshakes. Hein. Bon alors, ils sont là-bas. Hein. Je vais vous en déposer un. Si je mange ça. Combien? Ah bah attends. Ah bah je crois que je ne peux pas les toucher. Voilà. C'est pas très cool. Je prends le Gravity Gun. Hein. Tenez l'argent si vous voulez. Hein. 500 euros, ça fera toujours l'affaire. Pas de soucis. Hein. Je pourrais m'asseoir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ah, y a pas de problème. Oui, en effet. Monsieur, un petit milkshake? Ah bah, monsieur est parti, bon. Bon, en monsieur tout cas, maintenant cuisiner, je... Monsieur les cuisiniers, il y a un mec qui vous regarde derrière. Le mec qui vous regarde derrière en rouge. C'est pas grave, c'est blindé les vitres. Ouais, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est l'homme en rouge, s'il vous plaît. Descendez du comptoir, s'il vous plaît, monsieur. Oui, c'est l'homme en rouge. Oh mon dieu, c'est l'homme en rouge. Il est encore là. Deux milkshakes, s'il vous plaît. Il faut me cacher, monsieur le cuisinier. L'homme en rouge est quelqu'un de très dangereux. Deux milkshakes, s'il vous plaît, il y a 500 euros par terre. Oui, je vous dépose les milkshakes tout de suite. Je les ai pris. Ah, oui. Oui, vous en occupez. Je m'en occupe. Je vais aller ah, excuse-moi, le milkshake est légèrement tombé, voilà, je vous le donne, hein. Le milkshake a disparu. Ah non, il est là. Excusez-moi, je suis très maladroite aujourd'hui. Bah c'est pas à moi. Bonjour monsieur, un petit milkshake. Ah bah voilà. Oups, désolé. Ah. Tiens, m'excuser. Je crois que nous avons un monsieur qui vient d'avaler, d'engloutir notre milkshake. Je tiens à m'excuser pour ce petit malentendu. Voulez-vous que je vous dédommage? Bien sûr, ce serait la moindre des choses, monsieur. J'espère qu'il était bon. Il est où le papier dans les chiottes? Ah, excusez. Enfin, regardez juste au-dessus. Normalement, il y a un petit endroit là où c'est rangé. Vous devriez tomber dessus, hein. Cherchez un petit peu, monsieur. D'accord. Je mets toujours une réserve en haut à droite. On achète au coloris. C'est problème de PQ, alors. Faut voir ça avec mon ami le cuisinier. Monsieur le cuisinier, pour les milkshakes, vous les avez fait à combien? C'est mon patron, vous comprenez. Monsieur? Cher collègue? Je crois qu'il ne se sent pas très bien. Oui, pour le prix des milkshakes, monsieur.
Franchement, elle est elle est terrible. Sont à 10 dollars, oui, les 1000 chèques sont à 10 dollars. À 10 dollars, voilà, voilà. Ça fera 10 dollars, monsieur. 10 dollars ? 10 dollars à 1000 chèques ? Ah bah c'est un très très bon 1000 chèques, monsieur. C'est prix 10 dollars. C'est la crème de la crème et vous avez la cerise au-dessus. Voilà. Nous ne sommes pas une petite cafétéria. Bonjour tout le monde, j'ai besoin d'acheter une grande somme de pizza s'il vous plaît. Oh, je trouve pas le papier. Merci beaucoup. Quoi? Bonjour monsieur. Vous avez été généreux. Bonne journée à vous, au revoir. Attends, viens, je fais de la pizza, viens. Tu veux combien de pizza? Non, toi t'es pas cuisinier toi. Monsieur cuisinier, j'ai une grande offre pour beaucoup de pizzas, s'il vous plaît. Alors, ici, par ici, monsieur, je vous en prie, approchez-vous. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît, parce que genre... Non, désolé, je ne peux quitter mon restaurant, il est en plein travaux, je peux pas... Bah, non, ok, non, mais je voulais faire aucun mal, ne s'inquiétez pas. 10 pizzas, c'est combien? Les pizzas sont ici. Allez, je voulais faire 200. Bon, je vais en prendre 20, alors. Alors, vous pouvez déposer l'argent ici, que mon collègue va récupérer. 400, je donne ça tout de suite. C'est bon. Alors vous en avez venez, déjà venez, une parce ici. Que les gens passent trop ici. D'accord. Oula, il commence à y avoir beaucoup de cuisiniers là. Nous avons de la concurrence. Ah oui, mais moi, écoutez, moi j'attends toujours un petit peu mon plat, mon petit milkshake. Oh, votre milkshake. Bah justement, monsieur, vous étiez parti tout à l'heure. Du coup, je vous le donne. Je vous donne votre milkshake tout de suite. On prépare notre table. Ouh là là, toutes ces pizzas par terre là. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir la porte? Que je puisse sortir avec mon milkshake? Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous dépose ça. Au contraire, on lui fait des bouquins. Bah, un petit peu droit, mais là, ah ouais, non. Ouais. Excusez-moi, je... Vous savez, je débute, hein. Ah bah... Ah mais... je veux se retourner comme ça. Monsieur, bien militaire, levez-vous s'il vous plaît. Excusez-moi, il s'est échappé, il est vivant. Ah bah bravo, j'en veux un autre des milkshakes. Oui, vous avez une arme. Je vais aller en chercher un autre. J'en veux un autre. Pardon monsieur. Levez-vous s'il vous plaît. Pouvez-vous vous lever? Oh mon dieu. La face au thé, monsieur. J'ai vu une petite quelque chose que j'aurais pas dû voir. Pourquoi vous... Alors pour le monsieur il fallait 10 pizzas, j'avais besoin d'un milkshake mais je crois que le client de mon milkshake est en train de se faire embarquer par la police. Désolé. Bah, on fait comme ça. Allez tire-toi mec. Les 10 pizzas sont... Bah oui les 10 pizzas ont l'air sorties mais... T'inquiète tu vas apprendre. Mais je ne vois pas notre client, j'ai l'impression qu'il est en train de faire affaire avec un autre cuisinier qui est juste en face là-bas. Décidément on n'a pas de chance. Oh là là, un milkshake encore de tomber. Ça tient pas ces choses là, ça tient pas. Excusez-moi. Oh là là, vous êtes sûr que vous êtes cuisinière, madame? Je suis désolée, je suis nouvelle dans le métier et c'est pas très très facile pour moi, je suis très maladroite. Ah oui, mais bon, heureusement que j'ai payé 1 000 euros pour avoir un échec, hein, c'était pas gratuit. Ah putain, il faut que je me rase le crâne là, parce que... Ouais. Au pire, je peux me le prendre moi-même, s'il vous plaît, ça ira plus vite, non? Attendez, je rattrape. Oh merci, ouais. C'est parfait, c'est... Oh, heureusement que vous êtes là, hein. Je vous envoie le deuxième. J'ai plus de force. Oh non. Bonjour, je suis... Le deuxième milkshake est en route, hein. Attention parce que... Tu fais clic droit. Alors, je fais clic droit, mais après, comment je le remets droit? C'est ça, le... Oui. J'ai faim. Vous avez faim? Oh, mon pauvre chaton. Attendez, je vais chercher le cuisinier. Nous avons un client affamé. Je vous laisse vous en occuper. Il est juste ici. Il a pas l'air très bien. Il est mal en point. Bonjour. Bonjour, monsieur Pétou.
Alors, tout se passe bien? Je vais ranger nos pizzas, hein, parce que si jamais le conseil sanitaire passe ici... Alors, tout se passe bien, sinon? Vous faites un peu d'argent, ça se passe bien? C'est pas évident, hein. Je sens que c'est pas un métier qui est fait pour moi. Je sais bien que c'est le début et qu'on fait des erreurs, mais c'est pas facile. Prenez-le, voilà, votre milkshake est là, monsieur. Moi j'attends mon deuxième milkshake. Ok, donc écoute-moi bien. Écoutez, je vais changer d'arme. Je fais bien, madame. Bah voilà, voilà. Le 1, le 2, le 3, le 4. T'es d'accord avec moi? Alors t'appuies 2 fois sur 2 et tu vas dans un vent, un vent de rythmique. Ouf! Ça fait du bien quand il y a une petite pause de client, hein. Ça fait quand même une longue journée là. Oui. Par contre, en RP, je vais me déco et me reco parce que ça commence à bugger un peu, donc histoire que ça revienne dans la normale, ok? Ok. Vas-y, je reviens. Bien. Bonjour. Merci beaucoup. Eh bien, il faut payer, pour manger. Je peux vous donner une pizza, mais. Bonjour. Ah, oh, c'est bon, j'en ai marre. Non, évitez de passer par là, par contre, monsieur. Il y a quelqu'un qui est chaud pour se faire monsieur, de l'argent. Monsieur, sortez de mon comptoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a... Monsieur, sortez de là, s'il vous plaît, vous êtes dans ma cuisine. Ici. Oh. Est-ce que je vais commencer à manger toutes les pizzas, voilà, hop, là. Bon, sortez de là, messieurs, voilà, s'il vous plaît. J'ai mangé. Oh mon dieu, quelqu'un a mangé toutes les pizzas également. Les gars, vous cassez tout là. Eh mademoiselle, vous êtes pas chaud pour faire de la mettre avec moi? Est-ce qu'on a un peu plus d'argent là? Parce que je cherche un compagnon. Parce que je sens que votre restaurant est pas très solide, je vous aide un peu de don. Non mais là ça ne va plus du tout là, hein. Ça y est, ouais. le mon patron part 5 minutes. Si tu veux, je te donne ma liste. Un peu de don pour la famille. Merci beaucoup. Un petit peu de don. Mais... Il n'y a pas de quoi. C'est un petit peu compliqué là, voyez, parce que mon patron le cuisinier. Vous avez un format squelette, je peux savoir, ça veut dire que vous êtes un peu ridé comme ça, un peu beau. Oh là, monsieur, bonnet truc, machin bidule là, vous avez quoi là à faire? Vous avez cru que c'était votre boss ou quoi? J'espère que mon cuisinier va bientôt revenir parce que... J'aurais besoin de... Je vais sortir de la cuisine parce que là je me sens plus du tout en sécurité là. Ok. Un bouset. Mon dieu, mais que se passe-t-il dans ce restaurant? Je ne sais pas monsieur, je... C'est un petit peu compliqué là. Nous avions une magnifique cuisine, toutes les affaires roulaient très bien, on commençait à se faire connaître avec nos milkshakes. Et puis mon cuisinier a dû s'absenter et tout est parti en sucette. Écoutez, moi je venais pour manger une pizza, je suis perturbé, je sors à peine de chez le docteur. Et... Hey, mademoiselle, est-ce que je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr, approchez. J'ai cru entendre votre proposition, je suis très intéressé, venez. Ah, c'est super. Bon, attendez, allons trouver un petit coin où il n'y a personne. Car parce que là, il me trimballait tous ces kikous. Tous ces kikous de merde. Tous ces enfants de Satan, si je puis dire. Bon, ok, en fait, moi le truc... moi je suis quelqu'un qui aime faire la mettre. J'adore la mettre parce qu'avec la mettre on peut se faire plein de fric. J'ai passé des nuits et des nuits sur d'autres villes comme celle-ci, on va dire. D'accord, vous êtes un cuisinier d'un autre genre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Sauf que moi je suis plus difficile à. En fait, je vais vous dire, je suis une sorte de gangster, mais solitaire. C'est-à-dire que je commence à faire ma drogue, généralement, je fais tout ça moi-même, avec personne d'autre. D'accord. Je vends ma drogue, quand j'ai fini, j'ai assez de sous, je m'achète un paquet d'armes et je fais la loi dans ma petite parcelle de terrain que j'ai acheté. D'accord. Est-ce que ça vous tenterait de se faire de... Écoutez, voilà, moi je vois bien...
Bien. Moi, je vois bien que voilà, le métier de serveuse n'est vraiment pas fait pour moi et votre proposition m'intéresse puisque j'aimerais m'acheter une petite maison une femme, à la sortie de la ville et voilà. Là, une femme au sein d'une famille. Imaginez-vous être au sein d'une famille qui donnerait comment puis-je dire ça, qui donnerait amour et compassion à vous protéger. Quand je dis amour et compassion, c'est-à-dire être des frères d'armes et des sœurs. D'accord. Si ça vous intéresse. Car non, mais c'est vraiment un groupe de... Vous avez déjà un lieu, vous avez un endroit où on pourrait faire ça? N'importe où, il faut juste être intelligent et se faire prendre. Il faut trouver un endroit tranquille, monsieur. Moi, je vais vous dire, les deux seuls moyens tranquilles où on puisse faire la vie, c'est juste de rapport. Oh putain, mais c'est pas possible. Ça n'a pas l'air très tranquille. Comment vous appelez-vous? On va s'appeler par nos prénoms, ça va être plus simple. Moi, c'est monsieur Ours. Ou appelez-moi Ours, tout simplement. Je vous appellerai Ours, d'accord, très bien. Moi, personnellement, je reviens dans cette ville car ça fait longtemps que je n'ai pas. Attention, il y a l'air d'avoir du monde. Repris de mes fonctions. On n'est pas seul. Je pense que ce serait plus utile d'aller dans l'appartement d'en face. Mais normalement, il y a encore un bâtiment ici, il a disparu le bâtiment. Ok. Voilà. Forcément, il y a personne. Ça m'a l'air pas mal ici. Ah non, c'est déjà acheté. Non, peut-être ici. Voilà. Alors, vous faites quoi là? Excusez-moi, bonjour. Vas-y, contrôle là. Je suis barman, je travaille dans le restaurant juste en face. Je suis en train de faire une visite d'appartement là. Ouais. Ok. Et voilà. Attends. Je m'en vais. Jamais vu, ok. Il y a pas de problème, je ne vous ai jamais vu. Okay. Monsieur le cuisinier, au revoir, bonne journée. Viens. Oula. Je crois qu'on n'est pas dans le bon appartement là. C'est bien d'acheter une pizza par contre. Ouais, mais les gars, déjà toi, rangez vos flingues parce que c'est vrai, on n'est pas potes là. Je sais pas ce que vous avez là. Ouais, vas-y, envoie des pizzas. Je sens que c'est pas bon pour mon ami le cuisinier là. Ils ont pas l'air très aimables, hein. Bon. Ils payent leur pizza, c'est déjà ça, mais je préfère garder un petit peu de distance, hein. Oh là là là. Bon. Ils ont l'air d'être nourris. J'espère que ça va bien se passer quand même, hein. Mademoiselle Lisa, vous êtes là? Oui, je vous attendais. Comment tu parles, toi? Déjà, c'est à qui tu parles? Ouais, moi, je te dis, reste calme direct, mon pote, parce que c'est pas à qui tu parles ici. Moi, je dis, on va aller acheter une maison. Ici, ça va être vraiment chaud avec tous ces trous du cul. Tout en. Mais putain, c'est pas possible. On s'installe là, c'est pas grave. Ouais. On s'installe ici. Ouais, mais le truc, écoutez, mademoiselle, c'est que moi, dans de bonnes conditions, là, on a deux personnes. Le truc de la mettre, c'est que ça fait déjà beaucoup de bruit. Donc, c'est les flics qui passent par ici, ben, on est un peu niqué. Non, et on va le faire dans la pièce derrière. Ouais, hein, donc, c'est pas grave. Mademoiselle Lisa, restez en haut, je traficote un peu avec ces gens-là. Les gars, on vous laisse. Regardez. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toi là, c'est qui elle? C'est qui elle là? Les contrôles.
J'étais pas très rassurée, je suis partie me cacher dans les toilettes. C'est la seule porte que j'ai trouvée où je me suis dit que non, écoutez, on viendrait pas me chercher. Je vais vous dire, j'ai conclu un arrangement avec... Oui ? Je vais vous dire très sincèrement, j'ai conclu un pacte avec des mercuriales. Excusez-moi, j'appelle ça des mercuriales, parce que des mecs qui se ravalent avec des feuilles, ils commencent à demander 500 dollars à tout et n'importe qui, j'appelle ça des mercuriales. Je leur ai demandé, en échange d'une somme d'argent, de garder les lieux, comme ça les policiers ne se permettront pas de se pointer ici. D'accord. Après, je n'ai pas dit que j'allais leur donner l'argent, bien sûr. Bien sûr. J'ai un ami qui pourrait... T'es où, toi ? Nyx ? Je vais m'énerver, finalement. Le problème, c'est t'es que c'est normal qu'on puisse faire qu'une... qu'il n'y a qu'un seul trafiquant de lettres sur tout le serveur ? Bah oui, c'est ce que je regardais aussi. J'avais envie d'apprendre le métier et je n'ai pas pu. Ok, c'est pas compliqué, je peux vous l'apprendre. Bon, après, je suis pas un pro, mais je vais me débrouiller. Donc, tout simplement, il faut... Alors, je vous donne un petit peu d'argent, hein. Ah ouais, merde, y a une banque ici, c'est quoi ces conneries, là? Ah ouais, mais... Ouais, non, mais... On va devoir commencer par autre chose avant de devenir un avocat de la maître, en fait. Parce que là, clairement... Ouais, je suis mort vers votre main, admin, et on va dégager ces connards, parce que... Pourquoi j'ai un héros devant moi? C'est quoi ce bug de héros? Je pense que je dois relancer le jeu, là, parce que j'ai pas mis un jour. Non, mais en fait, il a demandé de protéger les lieux, donc normalement, tous les gens qui approchaient l'appart se faisaient tuer. Non, vous vous inquiétez pas. Ah, bonjour. Excusez-moi, bonjour. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On va se mettre en face. J'ai eu un problème parce que là j'ai eu l'appel d'un ami qui est à l'hôpital, qui vient de se faire tuer par vos gardes là, donc il y a un petit problème là. Il n'y a même plus son cadavre. Bon. Oui, non, mais parce que là avec vos gorilles, du coup mon ami s'est fait dézinguer là. Non, je ne suis pas d'accord là, je ne suis pas contente du tout. Là, trop c'est trop, hein. Je veux bien être gentille, je veux bien faire de la mette, mais faut pas non plus que mes amis se fassent tuer dans cette histoire. Je vais retourner au restaurant voir ce qui se passe. Là, il y a des problèmes. Ouais, 3200 à l'émission. Est-ce qu'il y a un cuisinier ici? Excusez-moi, vous auriez vu le cuisinier? Non. Ça veut pas, monsieur. Vous faites... Monsieur l'agent, vous auriez vu le cuisinier? J'ai l'impression qu'il est porté disparu. Monsieur l'agent, est-ce que tout va bien? Ah oui, monsieur, mais en fait, je vais être malade, là. Je vais bientôt m'écrouler. Ah, d'accord. Vous inquiétez pas, ça va être normal. Elle est là, la personne, putain, elle est là, cette salope. Celle qui m'a braqué, là. Je vous ai balancé à la police, madame. Celle qui... Je braquais personne. Quoi? Ah oui, dans la voiture, j'ai cru qu'on parlait de moi. J'ai braqué personne. Nyx, t'es où? Ah, je suis dans la rue, je suis devenu un citoyen. Je te cherche. Non, mais enfin, je suis loin, là, mais je... Ouais, mais faut que je trouve une fin pour mon truc, là. Mais du coup, c'est sympa, quand même, de faire resto et tout. Il y a pas mal de monde qui est venu. Je suis littéralement vénère, là. J'ai pu comprendre. Voilà. Tu
t'approches pas de mes poches, je te dis. 5 mètres, je veux 5 mètres. Oh putain. Oh. Qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis 5 mètres? D'accord, la prochaine fois, je te mets ici. Et tu vas rester allongé sur la route, d'accord? Je sais pas, vous parlez à moi, monsieur. Si la prochaine fois, monsieur. Essayez de fouiller ce monsieur devant le panneau. Eh bien, sachez que vous aurez une balle dans la tête, monsieur. D'accord. T'aimes bien faire des petits tours. C'est bon, j'avais pas compris. Non, non, merci. Bien, soyez élastique. Allez, au revoir. Excusez-moi, messieurs. C'est bien. Bon, soyez élastique. Non, non. Je ne peux pas savoir ce qui se passe, mais je... Oui, bonjour. Bonjour. Je ne trouve plus mon cuisinier. On peut m'aider. Bonjour. Ah, mais je sais où il est. Venez, venez. Ah, moi, je vous connais, madame. Ah oui, le milkshake, oui. Oui, le milkshake. Moi aussi, il m'est arrivé ses aventures. C'était très compliqué parce que le cuisinier est parti. Ensuite, tout le monde s'est mis à manger toutes les pizzas qui étaient sorties. Non, mais monsieur l'agent, vous auriez dû être là hein, pour voir. Hein. Ça a été horrible. J'ai été obligée de fuir mon propre restaurant par la fenêtre. Oui. Ah oui, madame, vous êtes tenez un petit don alors. Je suis barman, monsieur. Je suis barman et vraiment, ce que j'ai vécu, ça a été très compliqué. Tenez un petit don. À vous. Vous voulez d'aide, madame? Oui, j'ai besoin d'aide. J'aimerais. Oui, monsieur, j'aimerais porter plainte. À vos pieds, un petit don. Madame. Je n'ai pas pour habitude de ramasser l'argent par terre, messieurs. Prenez déjà votre argent. Prenez votre argent et après. Je vous suis, monsieur l'agent, parce que là, vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je vais porter plainte. Allô, mon collègue. Oh, plus rien. Venez, madame. Je vous suis, monsieur. Vous voulez porter plainte? Oui, je souhaiterais porter plainte contre X. Ok, bah pas. Je vous expliquer déjà un petit peu ce qui s'est passé parce que. Oui, alors expliquez. On va peut-être pas parler dans un couloir, si? Venez. Ah voilà, je préfère. Asseyez-vous. Bon, je peux pas vraiment m'asseoir, moi. Mais bon, pas grave. Alors, je vous explique. Donc, je venais de me faire recruter en tant que serveuse au restaurant. J'avais avec moi deux cuisiniers qui étaient vraiment très doués, qui avaient sécurisé un petit peu parce qu'on était un petit peu victime de notre succès et il y avait de plus en plus de clients, dont certains qui ne voulaient pas bonjour, payer. Bonjour, monsieur Bastien. Quoi? Ah oui, comme plan, vous enfermé. Ouais, j'étais en pigeon, mais c'est bon, désolé. D'accord. Bonjour à vous. Au revoir. Au revoir, bonjour. Oui, alors, continuez. Il avait une grosse voix, le monsieur. Il se passe des choses bizarres dans votre commissariat, quand même, hein. Des boules rouges non identifiées qui se mettent sur des chaises. Voilà. Ah là 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 là. Bon, je ne suis pas très rassurée, là, du coup. J'espère que ça ne se reproduira plus. Non, ne t'inquiétez pas. Bon, très bien. Donc, j'en étais où? Donc voilà, donc après ça, un des cuisiniers a décidé de partir en vacances pour la journée. Et au moment où il devait revenir, je me suis retrouvée donc seule derrière le comptoir. Et là, c'était n'importe quoi. Des gens se sont mis à grimper au-dessus du comptoir, ont mangé des pizzas et des milkshakes, se sont mis à être vraiment désagréables avec moi et j'ai été obligée de fuir. Et puis ensuite, je suis tombée sur cette espèce de cuisinier qui m'a proposé de faire de la mette. Ah non, non, là, ça a été vraiment... C'est très dur, cette journée. Très, très dur. De la mette? Vous auriez du café? De la mette? Oui, monsieur, de la mette. Ah. C'est tout ce que vous avez retenu de tout ce que je vous ai dit? Que vous étiez seul et que un cuisinier voulait que vous faites de la mette. C'est ça? Que j'étais folle. Ah. Merde. Ouais, ça aussi. Attendez. Merde. Venez.
Bon, je crois qu'on s'est mal compris, monsieur le policier. Je suis désolé, je vais pas pouvoir, être avec vous. Oui, non, mais tout le temps. De toute façon, il y a toujours quelque chose de plus important que mes problèmes. Je l'avais bien compris. Merci, monsieur l'agent. Au revoir. Tous les mêmes, hein. Tous les mêmes. Ah ! Bonjour. Mon cuisinier ! Ou du moins un cuisinier. Oui. Quel homme. Oui, c'est ça. C'est exactement, c'est cette talk, cette... Vous n'imaginez pas comme ça a été difficile pour moi de vivre après votre départ. Tout le monde s'est mis à monter sur le comptoir. De mes côtés. Ah, c'est... S'il vous plaît, bonjour madame. Oh putain. Attention, vite, vite. Parce que ce policier-là n'en a strictement rien à faire de mes affaires. Apparemment, il y a des problèmes plus urgents et plus graves. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Mais il y a un braquage de banque, madame. Et alors? Et mon braquage à moi? Mon braquage de 1000 chèques. Ah, mais attendez. Que fait la police? Venez, on va aller au taco bell. Dans notre magasin, on va faire un beau petit truc. Voilà. Non, c'est trop facile. C'est trop facile de revenir après, monsieur le policier. Moi, je... On repart au resto. De toute façon, je meurs de faim, donc... Bonjour. La honte de la monsieur, police. S'il vous plaît. Vous finirez dans le journal. C'est un petit peu nouveau, monsieur. Ouais, c'est ça, c'est l'excuse, ça. Hein. On a tous été stagiaires un jour, monsieur. Ah, d'accord. Et c'est pas pour autant qu'on rate nos 1000 chèques. Bah, attendez, je viens avec vous. Merci. Votre cuisine, les voyons. Oui, allons à la cuisine, parce que là, vraiment, c'est inadmissible. Bah oui, hein. Monsieur, attendez. Oui, on va attendre le garde du corps, Je vous paye pas pour rien, hein. Donc vous venez et vous rendez pas la bête. Pardon, excusez-moi, monsieur. J'étais absent. Ça se touche un petit peu ici, hein. Oui, bah, hein. Ah, mais ils peuvent pas fermer leur bouche là. Mes oreilles, s'il vous plaît, mes oreilles. Allez-vous-en, madame. Alors... Non, il y a des gens, ils ont pas le droit de manger, hein. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Attendez, je détruis juste un petit truc. Vous vendez des trucs? Madame. En plus, je suis légèrement instable quand je n'ai pas mangé, donc... Ah, vous voulez manger? Non, c'est bon. Oui, je meurs de faim, là. Ah, attendez. Si vous aviez un petit casse-croûte sur vous, là, c'est vrai que c'est... Oh, merci. Voilà. Oui. Ah, ça va beaucoup mieux. Ah, les pâtes chinoises, ça requinque direct. Que ça. Non, mais c'est parfait. Exactement. Au contraire, c'est du japonais. C'est du japonais. Ah bah oui. Pourquoi il y a des monsieur qui nous suit derrière ça? J'aime pas trop ça. Moi non plus, j'aime pas trop être suivi. Mademoiselle. Bonjour messieurs, pourquoi vous nous suivez? Je ne suis pas monsieur, je suis mademoiselle, j'aimerais bien parler avec. Excusez-moi, je ne suis plus dans vos magouilles. Un ami a été tué par votre faute. Je reprends mes activités de serveuse. Merci. Madame. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, petit pouce bleu ou à vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!